Ça, on fait YouTube, je suis sur Cube et je vous fais une petite vidéo rapidement pour vous dire que j'ai tenté de reconnecter ma manette Xbox Elite, donc c'est une Series 1. J'ai essayé de la reconnecter à ma Xbox Series X d'abord. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a d'abord fonctionné. Et puis au bout de quelques minutes, elle s'est déconnectée. Et depuis, impossible de la re-sync. Donc je me suis dit, pas grave, j'ai cherché un câble micro USB et je l'ai connecté. Bon, cette fois-ci, sur la Series X, ça ne reconnaissait pas du tout, donc à ma Series S. Ça a reconnu la manette et ça m'a proposé immédiatement de faire une mise à jour. Bon, jusque-là, ça va. J'ai fait la mise à jour et pendant la mise à jour, ça a fait une erreur. Pas dit. Et ça a dit, essayez de retirer les piles, vous assurez que tout câble PFI connecté et branché correctement peut ne pas répondre pendant quelques instants. Donc, j'ai essayé, mais depuis la manette n'est genre plus du tout, du tout, du tout reconnue. Et même quand je la branche, c'est comme si la manette n'existait pas. Et ma manette est juste briquée, elle est bonne à mettre à la poubelle. Voilà. Pour une manette payée combien? 180 euros, je crois. 150 euros. 150, je crois. Elle était à 149 euros. C'est pas ouf. Voilà. Et la manette ne fonctionne plus, elle est morte. Enfin, je peux rien faire. Elle ne réagit plus, quoi.